Alors, cette fois, on s'arrête pour s'entretenir avec notre journaliste de l'actualité, l'Étincelle, Richard Lefebvre. On a vu à la télé, les grandes télés nous parler un petit peu des difficultés des reportages, comment ça se fait maintenant, qu'on doit procéder différemment. Alors, on va regarder au niveau de la région, nous autres, sur le terrain, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on doit procéder de façon différentes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a changées dans nos manières de faire? Alors, c'est ce qu'on va discuter avec notre ami Richard Lefebvre. Richard, merci beaucoup de te prêter à l'exercice. Ça me fait plaisir, merci. Alors, Richard, d'abord, ma première question, comment tu vis ton confinement actuellement? Bien, je te dirais que personnellement, ça va quand même assez bien. À l'instar de plusieurs personnes dans la région, là, on essaie de se tenir occupé un peu à l'entour de la maison. Le beau temps s'en vient, fait que de façon personnelle, je n'ai pas à me plaindre. Oui, alors comme ça se voit bien, il n'y a pas d'inconvénients, mais ça change les habitudes. Hein. Depuis le 13 mars, il y a des habitudes qui ont été changées, il y a des choses qu'on doit faire différemment aussi. Bien, effectivement, si on regarde depuis justement la fameuse date de confinement, j'étais un gars qui est habitué de se promener un peu partout. Puis dans le cadre de mon emploi, dans le cadre du rôle de journalisme, on fait le tour de la région. T'es très au fait de ça qu'il faut se promener un peu Ouais. partout. Fait que de rester à l'intérieur ou de rester confiné sur le terrain, ça reste un défi en soi, effectivement. Là. Fait qu'il faut réinventer notre façon de faire. Il faut revoir d'autres techniques différentes. C'est toi, tu combines deux emplois. En fait, tu travailles chez Bombardier, ton employeur principal, et aussi le journal. C'est quasiment là, du temps plein aux deux endroits. Est-ce que maintenant, ton travail de journaliste sur le terrain, quand tu as à faire des choses, des entrevues ou pour aller prendre des photos ou peu importe, est-ce que c'est fait différemment ou est-ce que tu dois procéder différemment ou y a-t-il des procédures là, tout à fait nouvelles? Effectivement, c'est vraiment différent sur certains points, notamment le fait qu'on ne peut pas rencontrer les gens bien souvent de vive voix. Habituellement, on se rend directement sur le terrain pour rencontrer la personne, assister à l'événement. Maintenant, c'est beaucoup de vidéoconférences comme qu'on fait aujourd'hui, ou c'est beaucoup d'appels téléphoniques. Des entrevues téléphoniques, on en fait beaucoup. Les gens nous font parvenir des photos pour jumeler l'article, ou des fois on se rend sur le terrain à une distance minimale de 2 mètres et non plus, sinon plus, pour prendre une photo, recueillir un cliché là, pour joindre à l'article. Donc, le contact est là quand même. Par contre, la distanciation sociale, on la respecte. Ce que je vois, c'est que les gens la respectent bien. Puis, même si jamais on se rend à un endroit et qu'on serait porté peut-être à dire on va se rapprocher, mais les gens aussi ils ont cette distanciation-là. Fait que c'est bien respecté de tout le monde. Mais effectivement, il faut être imaginatif un peu là, dans les entrevues qu'on a avec les gens. Maintenant, on sait aussi qu'avec ce confinement-là, il y a moins d'activités, tous les organismes communautaires, tous les groupes, tout est arrêté. Ça aussi, pour aller chercher de la nouvelle, pour trouver de la nouvelle, ça doit être spécial aussi. Mais ça, c'est un grand défi, je dirais, pour le fait qu'habituellement, oui, avec tous les festivals, avec tout, puis surtout dans la MRC des Sources, où c'est un secteur qui est vraiment dynamique. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'habituel dans le secteur. Maintenant, tout est à plat, on s'entend. Fait qu'aujourd'hui, le défi, c'est de dire on va tenir informé le public sans être redondant, puis sans non plus vouloir avoir l'air de quelqu'un qui tape sur le même clou, si je peux me permettre de dire, dans le sens, on va prendre un exemple, ce qui se passe malheureusement à la résidence Ferland, ici à Denville. C'est vraiment très triste. Puis on essaie de suivre ça de façon continue, de façon journalière, voir ce qui se passe. Sauf que quand on ramène la nouvelle, il faut faire attention aussi pour pas qu'on ait l'air de quelqu'un qui s'acharne sur la situation, exactement, parce que c'est vraiment exactement. Pas le cas, mais pas du tout. Mm-hmm. Ce qu'on veut, c'est vraiment essayer d'apporter la nouvelle le plus possible, la plus ponctuelle possible, de la meilleure façon. Donc, ça, c'est un défi en soi. On est porté des fois à avoir l'impression de se répéter. Malheureusement, c'est souvent la situation quand il n'y a pas énormément de nouvelles. On essaie vraiment de cibler nos efforts et nos informations sur ce qui se passe présentement. Donc ça, oui, ça, je dirais que c'est plutôt particulier. Il y a une chose que j'ai observée aussi, bon, il y a la copie papier du journal qui nous est livrée une fois par semaine comme hebdomadaire, mais j'ai remarqué aussi que vous servez de plus en plus du web.
Donc, pour des mises à jour et puis pour certaines activités ou certaines nouvelles qui sont quand même d'intérêt général là, et qui sont des nouvelles majeures, là, vous vous en servez de plus en plus, là, je pense, quotidiennement du web maintenant pour être en temps réel ou être le plus possible là, d'actualité. Mais exactement, tu as dit le bon mot, Guichard, c'est en temps réel. On sait aujourd'hui que tout bouge extrêmement vite, la situation change d'heure en heure. Donc aujourd'hui, de dire on sort une nouvelle que je vais mettre dans le journal papier dans une semaine, elle ne sera peut-être plus d'actualité, cette nouvelle-là. Fait qu'aujourd'hui, avec le média web, on sait que les gens étant confinés sont de plus en plus avec les médias numériques. Donc, c'est avec ce volet-là qu'on travaille beaucoup là, présentement. On ne délaisse pas le volet papier qui est une fois par semaine, c'est certain. Des fois, il va y avoir des récupérations de nouvelles dans le journal. Par contre, le volet web est très important présentement, effectivement. J'imagine aussi pour l'aspect, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de médias en difficulté où ça vient de créer, cette pandémie-là a créé au sein des médias certaines problématiques au niveau des revenus publicitaires, ces choses-là. Ça doit être aussi, ça doit affecter le journal L'Actualité, L'Étincelle, comme tous les médias de la région. Je suis assurément certain que ça a un impact, effectivement. Par contre, moi, je touche pas vraiment à ce volet-là. On me tient pas nécessairement informé, puis je suis correct aussi de tous les revenus publicitaires de l'entreprise. Par contre, c'est clair, là, tu sais, on peut le voir, là, quelqu'un qui a une entreprise est présentement fermée, ben, ils sont pas portés à mettre de publicité. Donc, puis nous autres, on est un journal local. Donc, un journal qui dépend beaucoup de la communauté, beaucoup des revenus publicitaires, beaucoup des nouvelles qu'on a dans la région. Fait que, effectivement, c'est un processus on veut que ça reprenne la vie normale, entre guillemets, le plus rapidement possible, non seulement pour l'économie locale, pour la vie des gens qui nous entourent, mais aussi pour l'économie du journal à long terme, j'imagine. Mais encore là, une fois, je parle peut-être à travers mon chapeau, je n'ai pas les chiffres du journal, par contre, c'est tout à fait logique. Maintenant, quand on regarde depuis le début, ça fait quoi, 3 semaines qu'on est confiné, tout ça, est-ce que tu as des observations spéciales que tu as faites ou des constats ou à partir de ce temps d'arrêt-là, ce temps de confinement, il y a une remise en question ou une réflexion qui s'est sûrement amorcée. Est-ce que tu vois les choses différemment au niveau journalisme ou au niveau là, de ton travail ou des observations que tu as pu faire à partir de ce que tu vis depuis 3 semaines? Oui, bien, quelques-uns, effectivement. Si je parle notamment au niveau journalistique, là, au niveau vraiment des médias de la région, je sens qu'on avait déjà une super bonne synergie entre les gens qui travaillent. Tu sais, tout le monde se parle régulièrement avec la radio aussi. Mais je sens que ça tend à se souder davantage. On veut vraiment se serrer les coudes. Il n'y a personne qui est en compétition dans la région pour dire bien, je veux une nouvelle versus la tienne. On se partage des idées, on voit un peu, on traite des choses sur des angles différents, mais comme de façon commune. Donc ça, c'est une grosse affaire que je vois. Comme je te dis, ça avait déjà commencé par avant, mais je pense que ça va continuer d'évoluer. Au niveau de la population, mais je sens que c'est un temps d'arrêt que les gens ont. Malheureusement, la situation, ce n'est pas ce qu'on souhaitait, mais je pense que les gens avaient besoin d'un temps de repos. Je pense que les gens avaient besoin d'un temps de recul. Aujourd'hui, quand on discute avec les gens, on voit qu'il y a une réflexion, un temps d'arrêt qui a été analysé, dans le sens de dire, bon, mais dans l'avenir, là, on dit toujours qu'on va ressortir de la situation de façon différente. Je le crois, parce que quand on discute avec les gens, ils disent, bon, ben regarde, ça fait du bien, on peut passer un peu de temps en famille, on a plein de travaux que je n'avais pas eu le temps de faire à la maison. Aujourd'hui, quand on pensait qu'on avait du temps, ben, on n'en avait pas réellement. Aujourd'hui, on en a peut-être un peu trop. Donc, il va y avoir un équilibre à aller chercher, c'est certain. Par contre, je pense que les gens vont réapprendre, reprogrammer leur horaire du jour. Puis, effectivement, là, à un moment donné, quand ça va repartir, les gens vont retomber dans le beat, somme toute normal. Mais en gardant la façon de recul, de dire, bon, ben, aujourd'hui, je suis peut-être plus obligé de faire autant pour avoir ce que j'avais. Puis, le contact avec les gens, la distanciation qu'on parlait tantôt, mais je pense que les gens aussi, ça va être programmé pendant un certain temps de dire, bien, la fameuse poignée de main, même si c'était un automatisme auparavant, peut-être qu'aujourd'hui, bien, les gens vont respecter le fait de dire, bien, comment ça, il ne m'a pas donné la main? Ça vient de rentrer dans un nouveau moule. Personnellement, c'est ce que je vois.
Maintenant, quand on regarde, on sait que, bon, on a commencé à parler de déconfinement cette semaine. Le premier ministre Legault en a parlé et puis on sait que, bon, c'est une réalité qui peut arriver à plus ou moins long terme. Comment tu vois le retour? Toi, qu'est-ce que tu penses? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être encore long d'après toi, de ce que tu constates, de la réflexion que tu en fais, là? Ce que j'aimerais personnellement penser, c'est étant donné quelqu'un qui joue à balle l'été puis qui ouais. s'amuse à se promener comme ça, j'aimerais ça que ça reparte demain matin et qu'on puisse se lancer dans les tournois, dans les parties avec les amis. Par contre, je pense que ça va durer effectivement un certain temps. Je fais aussi beaucoup de camping personnellement, puis j'ai fait un article justement sur les terrains de camping, ça va être quoi les ouvertures. Mm-hmm. Parler avec Camping Québec, avec Mont Scotch Hill. Puis, on s'attend tous à avoir une reprise, mais de façon très lente. Je te dirais là, que jusqu'à l'automne, je ne verrai pas de grosses reprises. C'est sûr que le danger, quand on parle de déconfinement, c'est que les gens puissent dire, bon, ben regarde, aujourd'hui, je suis correct. Hier, je ne pouvais pas le faire. Fait qu'aujourd'hui, ben on va faire un petit rassemblement. Mais c'est une infime partie, je pense, de la population qui va faire ça. Exact. Parce que tout le monde est bien au fait de la prudence qu'il faut avoir. Puis ça, je pense qu'effectivement, pour les prochains mois du moins, ça va être encore très tranquille. Alors, c'est un peu, je pense, ce qui va se passer aussi. Et comme le premier ministre l'a dit, graduellement. Ouais, et il y a je pense qu'il y a des régions qui vont être privilégiées. On sait qu'il y a des secteurs au Québec qui ont à peine été touchés et fleurés au niveau du COVID-19. Alors, je pense qu'effectivement, c'est peut-être les secteurs qui vont être les plus priorisés. On parle du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, certains secteurs qui ont été moins, où est-ce qu'il y a eu moins d'infections, ces choses-là, moins de victimes. Alors, ces secteurs-là, ça va se faire, puis graduellement, comme tu le dis, Richard, je pense, pour arriver à l'automne et puis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du retour en classe pour les prochaines semaines, tout ça? Je suis très partagé avec l'idée. Je comprends le principe de dire, quand j'analyse un peu tout ce que le gouvernement nous apporte, effectivement, ça fait plein de sens. Il y a des phases. Il y a la première phase où il fallait confiner tout le monde. Maintenant, je crois personnellement qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a eu une étude de dire, bon, mais OK, on ne connaissait pas le virus. Maintenant, on sait que le virus s'attaque malheureusement à une quantité de personnes plus X que Y. Donc, il faut s'assurer de dire qu'on va protéger ces gens-là, qui est nos aînés présentement. Beaucoup d'efforts qui sont mis dans ce domaine-là. Quand on voit que la tranche d'âge diminue, les gens sont à risque de l'attraper, mais peut-être avec moins de risques de complications. Donc, aujourd'hui, une fois que ces données-là sont rentrées, après un mois et demi d'études, là, ils disent, OK, on va déconfiner graduellement pour envoyer les enfants à l'école, ils sont peut-être moins d'impact. Par contre, c'est très inquiétant pour les parents, puis ça, je le comprends aussi, du fait que, bon, OK, on envoie les enfants à l'école, ils sont peut-être moins à risque, mais ils travaillent avec des professeurs qui, eux, peuvent être à risque aussi, ils ramènent le virus à la maison, on ne veut pas que notre enfant soit malade. Donc, je suis très partagé par rapport à l'idée, mais effectivement, je crois qu'un jour, on n'aura pas le choix de mettre le pied en avant puis essayer d'avancer. Par contre, à quel prix puis à quel niveau, il faut avancer tranquillement, effectivement. Alors, on va te souhaiter que tu puisses reprendre tes activités sportives parce que je sais que tu aimes jouer au baseball, principalement à Richemont. Tu es de Richemont, tu es originaire de Richemont. Je suis originaire de Richemont maintenant, ça fait quelques années que je suis à Danville maintenant, fait que je m'amuse à Asbestos, mais en région, partout avec les gens de la gang du coin, fait que on s'amuse. Est-ce que tu as un message que tu aimerais lancer à la population ou à quelqu'un à partir du... Ben oui, le message que je pourrais livrer à la population, première des choses, c'est des remerciements à la population. Hein, parce que le rôle de journaliste, comme tu sais si bien, on peut être pris sur deux volets. On peut être pris sur le gars fatigant qui va avoir la nouvelle, puis que je ne suis pas nécessairement là pour donner la nouvelle tout le temps. Fait que, ça, c'est important de remercier la population, parce que quand on communique avec eux, comme j'expliquais tantôt, c'est pas pour les mettre dans le trouble, c'est pas pour les mettre en évidence d'une situation problématique, mais au contraire, pour soulever le besoin, soulever une situation puis informer les gens. Fait que ça, c'est super important pour moi de remercier les gens de leur ouverture là-dessus. Puis aussi, je dirais de pas lâcher. Hein, la fameuse phrase, ça va bien aller, tout le monde est étonné de l'entendre, mais c'est pas moi qui vais la dire, inquiétez-vous pas, sauf que je me dis, il faut pas lâcher, on arrive dans un tournant,
c'est pas la fin, mais on est dans un tournant qui peut être plus positif à long terme. Puis, je pense que c'est en restant soudés en tant que communauté que ça va nous aider aussi avec une distanciation sociale respectée. Bien, je pense que ça conclut un petit peu notre entrevue. Je veux te remercier aussi pour cette belle complicité qu'on a su établir au fil des mois. Puis effectivement, quand on parle de nouvelles, quand on parle du journal L'Actualité, L'Étincelle ou encore de CJN 99.3 avec Sylvie Pion, ou moi-même, au niveau du canal Info Plus, on a établi une belle complicité, puis ce n'est pas une rivalité. On s'entraide et c'est ça qui est important. C'est un petit milieu, puis on est juste trois journalistes pour vraiment produire la nouvelle, sortir la nouvelle. J'ai la chance de te lire, évidemment, par le web. Je trouve ça le fun que le web a pris plus de place pour être en temps réel. Et comme tu as constaté, il y a tes articles qui se retrouvent sur le canal Info Plus aussi. Un grand merci pour ça. Je t'informe très bien. Merci beaucoup, Richard. Et puis, on va se souhaiter que le déconfinement arrive bientôt pour chacun. Ouais. Effectivement. Ben écoute, un grand merci à toi, Richard, d'avoir pensé à faire une petite entrevue comme ça là, avec moi. Puis, toujours à votre service, on me fait avec grand plaisir. Merci beaucoup, Richard. Au plaisir. Merci beaucoup.